Salut tout le monde, pour cette vidéo j'ai voulu reprendre le concept de Toraya Maronsi. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une youtubeuse américaine qui se fait connaître à travers ses vidéos où elle proposait à des inconnus d'appeler leur crush pour leur demander un rendez-vous. L'idée c'est un peu d'aider les gens à sortir de leur zone de confort en les forçant à se dévoiler un peu auprès de leur crush. Du coup hier je suis allé filmer le même style de vidéo avec des amis dans Lyon et ça a donné ça. Je la connais depuis pas longtemps genre. Et on s'est déjà pécho une fois mais on n'est pas ensemble, du coup je me dis bon. Go l'appeler. Alors là c'est une go, ça fait 2 ans je la connais à peu près, mais j'ai commencé à lui parler il y a 3 mois environ. Du coup on va essayer de faire ça. On va essayer. Je l'ai vu en soirée il y a 2 jours et je me suis dit qu'il avait trop une tête de main caractère, je sais pas, genre de personnage principal et tout. Je me suis dit j'ai trop envie de lui parler. Et voilà. Et du coup j'ai pris son Insta. Et voilà, mais ça va être grave gênant, je pense. Ouais, mais du coup, c'est drôle. T'as mis en haut-parleur ? Ouais, j'ai mis en haut-parleur. Allô, bonjour. Ça va ? Ça va, toi ? Ça va. Je t'appelle pour savoir si t'es dispo la semaine prochaine. Genre pour qu'on se voit et tout. C'est Hilario, wesh. Ah, ok, ça va. Sympa, t'as plus mon numéro, quoi. Je sais pas qui c'est. Mais t'as toujours pas enregistré mon numéro ? Bon, bref. Ouais, allô Nellier. Allô. Oui, allô. Ouais, tu passes une bonne journée? Ouais, ça va, toi? Ça va, t'inquiète. Je voulais dire un truc, tu vois, ça fait 3 mois on se parle et tout. Et je voulais dire, tu vois, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse se poser? Parce que tu sais, il y a un bon feeling et tout. Hein? Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis sérieux. Ah bon? Ouais. Vraiment? Ouais, je suis très sérieux. Là, comme ça, là. Non, ouais. Je vais le mettre parce que je sais que c'est quelque chose. Ouais. Donne-moi ta réponse. Ah, je comprends, moi aussi. T'as... Je sais pas si tu veux que tu. Ah bon? Je pense pas qu'il va répondre, hein. Putain, mais je pense pas qu'il va. Il répond pas, je vais le rappeler. Ouais, désolé. Ça a pas marché. Tu te demandes est-ce qu'il répond ou pas? Non. Pas vraiment. Non, en vrai. Mais en vrai, tu m'as donné une bonne occasion, donc peut-être s'il me demande pourquoi, je lui dirai. Du coup. La semaine prochaine? Ouais. Bah ouais, on est là, mais genre on parle 3 quoi. Tu parles 3? Ouais, on parle 3 juillet. Mais on aura le temps de se voir, non? Normalement, ouais. Tu es là. Ok, mais. Genre, pas avec des mondes, genre, pas avec du monde. Genre, tous les deux, genre. Quoi? Mais c'est parce qu'il faut que je te dise un truc. Ok. C'est bon? Ah, ouais, c'est bien, on y va. On fait comment là? Ok, vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est carré, bah, à la semaine prochaine alors. Vas-y. Elle avait oublié mon numéro. Elle avait pas mon numéro. Je suis choqué, frère. Je vais la rappeler, je vais la rappeler. Parce que là, je comprenais rien. Tu vois, j'ai entendu 3 mots. Nelly, tu m'entends là? Je t'entendais mal. Ouais, je voulais te dire, t'es, ça te va, on va boire un verre, un truc comme ça? Quand? Ah, dans la semaine. Ouais, vas-y. Vas-y, on se pose. Ouais. Vas-y, lourd. Vas-y. Vas-y Nelly. Je suis trop contente. Vas-y moi aussi. Ouais, vas-y. Vas-y, bisous. Oh bien la vie. Ah, je suis refait la vie. Tu t'attendais à ce qu'elle accepte? Franchement non. Non. C'est beau. Mais bon on verra hein. Je tiendrai au jus. Tu t'attendais à ce qu'elle dise oui? Ah je m'attendais à ce qu'elle dise non. Franchement. Non, je suis grave refait à la vie. Petite dédicace à Zakara, merci c'est grâce à toi. Elle m'a tout appris. Je l'ai rencontré comment? Bah c'est la pote à mes potes. Voilà hein. C'est comme ça. Je le connais, ben ça fait un petit moment et je sors avec, ça fait une semaine là. C'est une go que j'ai repérée hier, elle était ok là-bas. Là t'inquiète, on va l'appeler. Elle va venir au Starbucks, t'inquiète pas mon gars. Allô? Allô? Je te dérange? Oui, tu me déranges, pourquoi? Ah je te dérange, merde. je pouvais te proposer d'aller boire un verre ce soir. Tu sors? Non. Pourquoi? Parce que je vais jusqu'à 20h. Bah non, tu sors, c'est un ordre. Non. Ah. Oh. Ouais. Oui, est-ce que ça dit d'aller boire un verre?
Avec qui? Bah avec moi, avec qui? Non, lui. Oui, oui. T'es sûr? Ouais. Ok, d'accord. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, elle fait la timide, là. Oh, vas-y, je vais péter un câble. Viens, va la voir en direct, Vera. Un petit dîner en tête à tête et tout. Ça te dit pas? Bon, d'accord, ok, t'as pas envie de me voir, pas de soucis. Rien à voir. Elle a raccroché. Elle a raccroché. Tu t'attendais à ce qu'elle dise oui ou non? Qu'est-ce que t'attendais? Ah, bah, je sais pas, mais. Non, mais Chavel, elle pouvait pas, toi. C'est grave chiant, toi. Vas-y, c'est. @l.2-344. Tu pensais qu'elle allait répondre? Bah ouais, mon gars. Lucas 30, Curie 11. Lucas avec un K, mon gars. Ça filme, là? Vas-y, L-U-K-A-S 30-du-bas, Curie comme Stephen Curie, tu connais, 11. Vas-y, ajoutez-moi. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'en fasse plus et ce que vous en avez pensé. Pour tous ceux qui ont un crush avec qui ils osent pas trop faire avancer les choses, j'espère que cette vidéo, elle vous aura servi et que peut-être vous allez essayer de les appeler bientôt. Et comme le disent Big Flo et Oli, faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc parlez à vos crushs. Bref, merci encore pour le 1 million d'abonnés sur TikTok, les 70 000 abonnés sur Instagram, et à la prochaine.